Bonjour, les ateliers de Myriam Stampin' Up vous présentent un petit tuto pour créer cette carte un peu spéciale. Permet de tourner la roue. Comme cela. Donc pour cela, il vous faut tampon Stampin' Up, du catalogue printemps-été et le set de papier gâteau et petit ménage. C'est vraiment super. Vous avez beaucoup de choix de papier. Il vous faut une carte 13,5 sur 13,5, un morceau de papier de scrap 13,13, il va vous falloir embosser en or deux roues. La première roue, vous allez la couper comme cela, juste le rond. La deuxième, vous allez la couper de tel moyen d'avoir que le roulement de la roue. Il va vous falloir, avec la perfoux, 8 petits ronds que vous allez coller ensemble, ce qui va donner ça. Avec le stylet, vous allez devoir le trouiller aussi le centre du rond, le centre de la roue. Ça, vous allez le coller juste derrière. Ça. Il vous faut une attache parisienne. Il vous faut un cercle uni. Vous allez trouver, mais pas tout à fait au centre, pour que vous puissiez installer votre roue et mettre les deux morceaux. Là, vous allez mettre des petits coussinets pour faire une petite hauteur. Donc là, je vais en rajouter une petite.
Une fois collé, vous fermez. Et là, votre roue peut circuler. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre support, votre papier de scrap, installer votre roue, le petit cheval, vous allez le coloriser avec les feutres. Là, vous vous coupez votre cheval. Je fais une petite étiquette. Qui se trouve là. Pour faciliter le roulement, j'ai pris une petite ficelle à rôtir que j'ai scotchée et que je vais mettre juste là. Voilà, votre carte est finie. Et ça tourne, tournez manège. Voilà. Bonne création. Merci.